Alors, pour réaliser cette petite robe manteau, il nous faut une pelote de laine de la couleur de votre choix. Ici, j'ai choisi la rose. Elle vient toujours de chez Penguin et c'est celle-ci et c'est du coton. Donc elle se décote en 2,5, 3. Ensuite, nous avons besoin bien sûr d'un crochet. Donc c'est un crochet numéro 3. Bon, là on voit plus, mais c'est un crochet numéro 3. Ensuite, d'un ciseau, d'un anneau marqueur et d'un coton. Et bien sûr, après, d'une aiguille à laine et de quelques boutons. Donc si je me souviens bien, c'est des boutons de 6 mm, il en faudra 3. Et c'est tout, peut-être d'un ruban pour une petite finition. Voilà. Alors, nous allons commencer par faire un nœud coulant ou un nœud magique, comme vous voulez. Donc comme ceci. Et nous allons faire une chaînette de 29 mailles en l'air. Et 29. Une fois avoir fait notre chaînette de 29 mailles, nous allons crocheter en maille serrée. Donc on passe la première maille montée, enfin la dernière, et on vient à la deuxième, qui se trouve ici. Et on fait une maille serrée. Et ensuite, on vient faire tout notre rang, dans chacune des mailles, on fait des mailles serrées. Et on va faire des allers-retours comme ça, en maille serrée, jusqu'à avoir fait 10 rangs. Donc ici, on fait le premier rang. Je pique dans chacune des mailles, et je réalise une maille serrée. Donc voilà, j'arrive au bout, j'ai fait ma dernière maille, donc c'est ce qu'on obtient, bon c'est très simple. Ensuite on fait une maille en l'air, on peut tourner notre travail. Et on continue à faire toutes les mailles en maille serrée jusqu'à avoir fait 10 rangs. Donc ici on attaque le deuxième. Donc vous voyez, hop, je pique dans ma maille serrée et j'en réalise une. Je pique dans la maille et je réalise une maille serrée. Et allez, je fais ça et on se retrouve juste après. Donc voici ce qu'on obtient. Maintenant, nous allons attaquer le 11e rang. Donc, pour le 11e, on va faire une diminution. Donc, pour faire la diminution, c'est très facile. Donc là, bien sûr, je fais une maille en l'air et je tourne mon travail. Et on va réduire. Donc, au lieu de crocheter dans la première, on va passer directement dans la deuxième à côté. Donc ici, il y a la première, comme on peut le voir. Et là, la deuxième. Donc, du coup, je viens faire mes mailles serrées là-dedans. Et du coup, je tricote après tout mon rang en maille serrée. Donc je viens de terminer le rang. Maintenant on fait toujours pareil, une maille en l'air, je tourne le travail et on va faire la même opération. À chaque fois nous allons sauter la première maille et crocheter directement dans la deuxième jusqu'à arriver à notre 18e rang. Donc ici j'attaque le 12e, on fait pareil jusqu'à arriver au 18e. Donc du coup, je saute la première, je pique dans la deuxième. Alors, voici ce que j'obtiens. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Donc c'est très simple, hein. Maintenant, nous allons continuer. Donc ici, nous avons obtenu du coup 20 mailles. Maintenant, du 18e rang, enfin du coup, on va attaquer le 19. On va faire du 19 jusqu'au 23e rang. On va crocheter toutes ces mailles en maille serrée sur toute la longueur, enfin jusqu'à arriver au 23e rang. Donc du coup à chaque fois bien sûr on fait notre maille en l'air, donc ici j'attaque le 19e, on tourne et cette fois-ci on vient bien crocheter la première et on fait toutes les mailles en maille serrée. Donc c'est très simple et on fait cette opération jusqu'à arriver au 23e rang. Une fois arrivé au 23e rang, on peut faire une maille en l'air et arrêter notre travail, donc couper le fil et on arrête le travail. Donc je fais ceci et on se retrouve juste après. Donc voilà, on vient de finir du coup le dos de notre robe. Parce que vous voyez, je ne l'ai pas dit avant, mais ça c'est le dos de la robe. Donc maintenant, comme je viens de terminer mon rang, je peux faire une maille en l'air. Je tire un peu et bien sûr on coupe notre ouvrage, voilà. Et maintenant nous allons continuer par faire les manches. Alors, nous allons continuer par les manches. Donc, on continue, on reste au 24e rang. Enfin, du coup, on a fait le 23e ici. Et on attaque le 24e. Parce qu'on va venir continuer sur notre premier ouvrage. Donc, tout d'abord, on commence par faire une chaînette de 13 mailles. Donc, pour ça, je fais mon anneau magique. Et dans mon anneau magique, on va venir faire les 13 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une fois les 13 mailles en l'air réalisées, on va venir faire une maille serrée dans chacune des mailles qui se trouvent en haut de notre dos. Donc ici, j'ai la première maille. Je viens faire une maille serrée, comme ceci. Et maintenant, je fais tout le long, donc les 20 mailles que nous avons ici en haut. Donc je fais toutes les mailles serrées jusqu'à arriver de l'autre côté. Donc une fois que j'ai crocheté ma dernière maille serrée de tout le long, on va monter 14 mailles. Donc 1, 2 et 14. Maintenant, on va passer au 25e rang. Donc pour le 25e, on tourne notre ouvrage. Et pareil, on va venir faire une maille serrée dans chacune des mailles que nous venons de monter, dans les mailles tout le long et dans les autres mailles de l'autre côté. Donc bien sûr, ici, on saute la première. Donc la première, elle est là. On la saute et on vient dans la deuxième. Et on fait des mailles serrées dans chacune des mailles. Donc voici ce qu'on obtient. Maintenant, on va tourner notre travail comme ceci. Et on va continuer à crocheter en maille serrée sur toute la longueur, en aller-retour, jusqu'à arriver au 32e rang. Donc ici, je vais attaquer le 26e et ensuite il faut arriver jusqu'au 32e. Bien sûr, avant de tourner, on fait une maille en l'air, on tourne l'ouvrage et on peut crocheter dans chacune des mailles. Donc ici, j'attaque le 26e rang. Ça y est, je suis arrivée au 32e rang. Et on vient de terminer les manches. Donc ici, nous avons du coup le dos, les manches. Et maintenant, nous allons attaquer le devant droit. Alors, maintenant, on attaque le 33e rang. Du coup, pour faire le devant droit. Avant de tourner notre ouvrage, on vient faire une maille en l'air. Et on peut tourner notre ouvrage. On poursuit par crocheter les 17 premières mailles. En maille serrée, bien sûr. Donc, une... Une fois crocheté les 17 mailles, on va venir faire 7 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on peut tourner notre travail. Du coup, on attaque ici le 34e rang. Pour le 34e, on va sauter la première maille serrée, la première maille en l'air, et on va piquer directement dans la deuxième. Et du coup, on va faire des mailles en l'air tout le long, donc du coup, les 6 mailles que nous avons là, et les 17 mailles que nous avons crochetées. Donc aussi, je viens de faire les 6 mailles, et là, j'attaque l'autre partie de l'autre côté, donc du coup, les 17 mailles. Et en tout, on aura obtenu 23 mailles. Arrivé au bout du rang, on peut faire une maille en l'air et tourner notre travail. Une fois avoir tourné notre travail, on vient attaquer le 35e rang et on va crocheter sur toutes ces mailles, donc celle-ci plus les 6 qu'il y a là, on va crocheter jusqu'à arriver au 40e rang. Alors voici ce qu'on obtient. Donc ici, je viens d'arriver jusqu'au 40e rang. Ici, on va continuer avec notre 41e rang. Pour ça, nous allons déplacer notre fil. Donc du coup, on va faire dans les 13 mailles suivantes une maille coulée. Donc la première maille, elle est ici. Et je viens faire une maille coulée. Donc une. Et là, hop, j'en fais une autre. Deux. Trois. Voilà, vous voyez, je pique dans ma maille. J'attrape le fil. Et je la fais glisser comme ça. Donc là, j'en ai fait 4 et 13. Donc voilà, les mailles coulées sont faites. Et maintenant, on va continuer à crocheter dans les mailles qui suivent. Donc pour continuer à crocheter dans les mailles qui suivent, on vient faire une maille en l'air, comme ceci. Et maintenant, une maille serrée dans les 10 dernières mailles qui nous restent. Donc une. Et maintenant, on va attaquer le 42e rang. Et on va crocheter dans chacune des 10 mailles qui restent, donc les 10 mailles qu'on vient de crocheter. On va les crocheter jusqu'à arriver au 46e rang. Donc du coup, ici pour le 42, bien sûr, on fait une maille en l'air, on tourne et on crochète dans nos 10 mailles. Donc ici, je viens faire mes 10 mailles. Donc voilà, je viens de faire le 42 et je continue comme ça à crocheter dans ces 10 mailles jusqu'à arriver au 46e. Donc voici ce qu'on obtient. Donc ça commence à bien prendre forme. Donc ici on peut faire un court passage, vous voyez, voilà, là on va venir plier en deux. Donc notre manche, le début. Ici on voit bien qu'il nous reste ici à augmenter et à finir de crocheter droit. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc pour le 47e rang, bien sûr, on fait toujours notre maille en l'air et on tourne. Et maintenant les rangs que nous allons faire là, je vais le faire une fois avec vous, donc on va faire 2 rangs au total, donc le premier rang et on va faire le deuxième. Et cette opération, il faudra après le répéter 3 fois. Vous allez voir, c'est très simple. Donc pour le premier rang à répéter, on va venir faire une augmentation dans la première maille. Donc du coup, je fais une maille serrée et dans la même maille, je reviens faire une deuxième maille serrée. Et ensuite, je termine par faire des mailles serrées dans chacune des mailles, comme ceci. Ensuite, pour le rang d'après, donc là on est au 48e, et bien on vient faire toujours notre maille en l'air, on tourne et on vient crocheter toutes les mailles, simplement, donc une maille serrée. Donc on ne fait pas d'augmentation. Et ceci, on va le répéter 3 fois. Donc en tout, on aura fait 4 augmentations. Donc voici ce qu'on obtient, donc on en est là, ici. Donc voilà, on a bientôt fini le devant gauche, enfin le devant droit, pardon. Donc maintenant, on continue. Donc ici, je suis arrivée au 54e. On va attaquer le 55 et on va crocheter en fait toutes les mailles. Ici, on en a obtenu 14. Et ces mailles-là, on va les crocheter jusqu'à arriver au 64e. Donc du coup, pour le 55e, on fait toujours la maille en l'air. On tourne notre ouvrage. Et on vient crocheter chacune des mailles, etc. Une maille en l'air, je tourne et on crochète toutes les mailles, comme ça, en aller-retour, jusqu'à arriver au 64e rang. Ensuite, on peut faire une maille en l'air et arrêter notre travail. Donc, couper le fil. Donc, je fais ceci et on se retrouve juste après. Donc, ça y est, c'est terminé. Donc, ici, j'ai terminé. On voit bien que j'ai crocheté tous les rangs, donc jusqu'à arriver au 64e rang. Donc ça épouse bien la forme. Donc ici, j'ai fait une maille en l'air. Et je peux couper mon fil. Quick. Et j'arrête mon travail. Voilà. La partie de droite est terminée. Nous allons attaquer par la gauche. Donc du coup, pour faire l'autre côté, ça va être à peu près pareil. Donc ici, on va rattaquer hop, au niveau du 33e rang, donc on va attaquer le 33e et ici ça c'est le 32, donc du coup on recommence à partir du 33e. Alors avec notre fil on va faire un anneau magique et on va faire une chaînette de 6 mailles en l'air. Donc mon anneau magique, enfin mon nœud magique, et je fais 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc une fois les 6 mailles montées, on va rattaquer sur notre ouvrage. Donc ici, je l'ai positionné dans ce sens-là. On va compter 12 mailles à partir de celle-ci. Donc du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on vient piquer dans la 13e, qui est ici. Et du coup, on vient faire une maille serrée dans cette 13e maille. Donc voilà. Comme ceci. Et donc du coup, on finit par crocheter toutes les mailles que nous avons ici. Donc avec celle-là qu'on vient de faire, on en fait 17 en tout. Donc je crochète toutes les mailles jusqu'à la fin du rang. Maintenant pour le 34e rang. Donc on fait toujours une maille en l'air à chaque fois. On tourne le travail. Et on vient crocheter une maille serrée dans les 17 mailles que nous avons ici et dans les 6 mailles que nous avons montées. En tout, on va obtenir 23 mailles. Donc voilà, je viens de finir de crocheter toutes les mailles, donc le 34e rang. Maintenant, on fait toujours notre maille en l'air, on attaque le 35e rang et on crochète en aller-retour comme ça jusqu'à arriver au 40e rang, comme pour tout à l'heure. Donc j'ai fait ceci, on se retrouve juste après. Alors voici où j'en suis, donc je viens de finir de crocheter les rangs. Donc maintenant nous allons faire comme tout à l'heure. Bien sûr, hop, on fait une maille en l'air, on tourne notre ouvrage et on vient crocheter sur les 10 mailles. Donc on vient crocheter 10 mailles dans l'autre sens, voilà. Je tourne et je crochète 10 mailles. Et en tout, donc du coup, on va attaquer ici le 41e. Donc c'est les 10 mailles qu'on va crocheter. Et on va crocheter sur ces 10 mailles en aller-retour jusqu'à arriver au 46e. Alors voici ce qu'on obtient. Donc ici c'est l'autre côté. Bon, il y a un peu des fils de partout, mais on va les rentrer après avec notre aiguille à laine, bien sûr. Donc j'en suis ici. Donc j'ai fait ma maille en l'air. Et maintenant, on va faire comme pour tout à l'heure. On va venir crocheter ces mailles-là. Et on va faire une augmentation. Tout à l'heure, on a fait une augmentation en début de rang. Cette fois-ci, on va faire l'augmentation à la fin du rang. Donc une fois arrivé à la dernière maille, vous crochetez deux fois la maille en faisant deux mailles serrées dans la même maille pour faire une augmentation. Donc du coup, le premier rang, vous le faites avec l'augmentation à la fin. Et le rang d'après, on le fait entièrement sans faire d'augmentation. Et ensuite, on recommence. En tout, il faut faire 4 augmentations, comme pour tout à l'heure. Donc, comme on l'a déjà fait tout à l'heure, je ne vous le remontre pas. Donc, du coup, ici, on est au 46e rang. On va arriver au total au 54e. En faisant les augmentations, on arrivera au 54e rang. Donc, on fait ceci et on se retrouve juste après. Donc voici ce qu'on obtient, comme pour tout à l'heure, voilà, en fait on fait l'opposé. Donc maintenant on va continuer par crocheter le 55e rang, donc on va faire toutes les mailles en mailles serrées, et on va faire ça en aller-retour jusqu'à arriver au 64e, comme pour celui-là d'à côté. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut arrêter notre travail, et ensuite on va passer aux coutures. Et voilà, ça y est, on a fini de crocheter notre robe. Donc maintenant, nous allons passer aux finitions. Donc pour les finitions, il faut faire la couture. Donc comme vous pouvez peut-être le deviner, il suffit de venir plier la robe en deux, comme ceci. De venir la positionner comme il faut de chaque côté, voilà. Et on va venir faire une couture sur les côtés et dessous les manches. Et pareil, de chaque côté. Voilà, donc la couture ici. Et ici. Donc je fais ceci et on se retrouve juste après. Donc voici ce qu'on obtient une fois avoir fait les coutures. Maintenant nous allons réaliser les finitions. Donc pour les finitions il faudra faire deux finitions autour des manches de chaque côté, ici. Et là nous allons faire une bordure qui part de là, qui fait tout le tour au niveau de l'encolure et qui redescend. Il faut penser aussi que nous allons devoir passer 3 boutons. Donc à l'endroit de souhaiter, comme vous voulez. Et donc du coup, il va falloir monter des mailles pour pouvoir placer ce bouton. Donc on prend un fil de la couleur de votre choix, une autre couleur, celle de votre choix. On va rentrer notre fil ici, à la fin de notre ouvrage. Donc ici, la première maille, les premières mailles serrées, voilà, là. On rentre notre fil. Et on fait une maille en l'air. Et ensuite, on vient piquer dans chacun des rangs pour faire la bordure tout autour. Donc, dans le rang suivant qui est ici, je viens faire une maille serrée. Voilà. Et je fais ça tout le long. Donc, je pique à chaque fois. Dans le rang d'après, comme ceci. Donc ici, je viens de crocheter 6 mailles. Maintenant, je vais monter 4 mailles en l'air pour pouvoir faire la bride. Enfin, c'est pour pouvoir faire le petit passant pour accrocher notre bouton. Et là, je viens faire une maille coulée dans la même maille que nous avons piquée juste avant. Donc la maille serrée qui est ici, hop, je viens faire une maille coulée. Comme ceci. Et du coup, j'ai la petite truc pour passer mon bouton. Ensuite, je fais 4 mailles. Donc, je continue dans chacun des rangs. Je viens crocheter 4 mailles. Et je vais refaire la même opération avec les 4 mailles en l'air. Donc là, je fais 2. 3. Et 4. Voilà. Voir, allez, on va faire 5 mailles. Voilà, on va alterner entre chaque 5 mailles. Donc une fois les 5 mailles crochetées, je monte à nouveau 4 mailles en l'air. Une fois les mailles à l'air montées, ben on refait la même opération. On vient faire une maille coulée dans la maille serrée, comme ceci. Et on en a une deuxième. Et on va en réaliser une troisième. Donc pour ça, je refais encore 5 mailles serrées. Donc à chaque fois, je pique dans le rang suivant. Et là, je viens faire de nouveau 4 mailles en l'air. Et la maille coulée dans la maille serrée, comme ceci. Voilà, donc du coup, 1, 2, 3 boutons. Et maintenant, on continue. On continue à crocheter dans les rangs. Voilà, tout le tour. En haut, on arrive au niveau des mailles, où on voit les mailles, donc on va venir piquer dans les mailles et faire tout le tour. Et ensuite, on fait la descente du même côté. Donc, je ne vous le montre pas, car c'est quand même facile à faire. On crochète, soit on pique dans les mailles, non, dans les rangs, soit dans les mailles. Et on fait tout le tour. Je vous laisse faire ça et on se retrouve. Une petite précision que j'ai pas précisée. Donc une fois qu'on a fait la bordure de ce côté, là j'arrive en haut. Pour tourner, il faut faire une augmentation. Donc là je viens de faire la dernière maille du rang, donc du dernier rang là-haut. Et je viens de nouveau dans la même maille faire une maille serrée. Comme ça. Et ça me permettra de tourner et de crocheter dans les mailles. Et maintenant je crochète dans chacune des mailles. Et on fait ça à chaque fois qu'il y a besoin de tourner. Donc voici ce qu'on obtient. Bien sûr maintenant, en face des petites brides ici, il va falloir venir placer le petit bouton, enfin les 3 petits boutons. Et maintenant nous allons faire les manches. Donc bien sûr, ça sera pareil pour chacune des deux. Donc on va venir placer notre fil dans un des rangs qu'il y a ici. Donc n'importe lequel. Je rentre mon fil, je fais une maille en l'air, voilà, et on va venir faire une maille serrée tout autour de la manche dans chacun des rangs. Donc, du coup, voilà, je viens réaliser une maille serrée dans chaque rang. Une fois qu'on a crocheté un maille serrée dans chaque rang, on va venir faire une maille coulée dans la première maille serrée qu'on a réalisée. Donc elle est ici. Voilà, donc je réalise ma maille coulée comme ceci. Ensuite, on vient faire 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. Je repère, clac, avec mon nanomarqueur, la dernière maille en l'air. Ensuite, je viens réaliser une bride dans la maille suivante. Donc pour faire une bride, on fait un jeté, on pique dans la maille, on passe le fil, un jeté, on passe à travers les 2 boucles, un jeté à travers les 2 dernières. Et on vient de faire une bride. Et maintenant, on va faire 2 brides dans chacune des 2 mailles suivantes, Donc dans chaque maille serrée, on va faire 2 brides. Donc là, je viens réaliser la première. Et je viens faire une deuxième bride en piquant dans la même maille. Comme ceci. Et je fais ça tout le tour. 2 brides dans une maille. Et une fois avoir fait tout le tour, on vient faire une maille coulée. Dans la 3e maille en l'air qu'on a montée. Donc ici, je l'ai repérée avec mon nanomarqueur. Et je fais ma maille coulée. Comme ceci. Une maille en l'air. On peut tirer et arrêter notre travail. Maintenant, il ne reste plus qu'à rentrer le fil avec notre aiguille à laine et à venir faire la même opération de l'autre côté de l'autre manche. Et à venir placer les boutons en face. Et voilà, la robe manteau est désormais terminée. Donc j'ai fait les manches de chaque côté et j'ai rajouté les petits boutons. Et maintenant, il ne reste plus qu'à l'enfiler sur notre poupée. Et voilà, la robe manteau est mise sur ma poupée. Donc c'est une dernière que j'ai faite. Donc je lui ai fait les cheveux frisés et son petit manteau. Donc le manteau, on peut le mettre devant ou derrière en fonction de si on veut que ce soit un manteau ou si on veut que ce soit une robe. J'ai rajouté des petites bottines, donc vous aurez le lien en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce manteau a été facile à réaliser pour vous. En tout cas, pour moi, il est très facile et très rapide à réaliser. Et maintenant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!